Salut à tous, c'est DSSWX9 pour une vidéo du Seigneur des Anneaux, mais de la guerre du Nord. C'est l'ancien jeu que j'avais, enfin j'ai pas joué depuis un an. Et ça tombe bien, parce qu'en fait je voulais l'envoyer, enfin je voulais d'abord le faire comme un playthrough, même ça sera mon premier épisode. Voilà. Alors jusqu'à la fin de l'histoire, je vais faire des épisodes pour le jeudi. Et cette vidéo sera présentée à la Game Zone qui vient d'ouvrir il y a, je crois, depuis hier. C'est de quelqu'un que j'apprécie franchement comme youtubeur, Zoxy Froy. Je vous mettrai le lien de la chaîne communautaire et celle de la chaîne de Zoxy. Alors, ce jeu est, comment dire, assez bien. Moi, je l'ai bien aimé depuis que j'y ai joué. Voilà. Par contre, il faudra que je reprenne quand je jouerai à même temps de comment dire. Me reprendre à jouer, ça fait une éternité que je n'y ai pas joué. Alors, pas un peu de la games, oui, en parlant un peu de la game ce zone. Alors, c'est une chaîne communautaire qui ne présente pas de Call of Duty, qui présente, je crois, pas du Battlefield, enfin, si, mais pour des offres, en fait, des trucs. Très exceptionnel comme des tutos ou autre, ou pour la rigolade. Après, on peut présenter à peu près tous les jeux tant que c'est pas des jeux revus et revus comme ce jeu que je suis en train de vous présenter. Par contre, allez vraiment faire un tour sur la Game Zone, parce que déjà Zoxy fait du bon travail. Alors, son pote, je le connais pas vraiment, mais je suis sûr que eux deux réunis, ils font un excellent travail. Alors, par contre, je vais faire un épisode de à peu près 10 minutes. Donc, dès que je vois que ça dure. Ah, mais c'est bon, c'est des commandes que je connais assez bien. Alors, voilà. Parce que c'est plus les commandes de FPS. Et ben non. Et je crois peut-être qu'il y a certaines commandes qui servent à manipuler comme des FPS, mais bon, je vais rester avec ces commandes-là. Mais ils sont assez durs à tuer, ces sortes de monstres. Enfin, quoi ça s'appelle, des orques. Ouais, des orques, je crois. Enfin, ça fait bien longtemps que je regarde plus. Alors, voyons, voilà, je sais toujours autant me servir de l'arc. Mais bon, mais je préfère rester avec. Voilà. Alors, continuons à parler de la Games Zone. Alors, après aussi, ça présente pas mal de choses sur leur chaîne. Et aussi, enfin, pour l'instant, ils ont sorti aucune vidéo à part celle de présentation de la Games Zone. Mais je vous assure, dès leur première vidéo, peut-être la mienne, enfin, je ne suis pas sûr, je leur remercie si ils me plaudent. Voilà. Mais voilà. Après aussi après aussi pour une petite présentation de ma chaîne, vite fait pour la chaîne de la Game Zone. Alors, ma chaîne, c'est une chaîne assez FPS, même si je présente quelques jeux. Enfin, je n'ai pas encore présenté beaucoup de jeux hors du FPS, mais bon, je vais pas tarder là. Voilà, alors par contre, j'espère pas me faire tuer, parce que j'ai pas joué depuis l'éternité, donc je suis pas très fort encore à ce jeu. Voilà, alors, on va tirer un peu au sniper, enfin, au sniper. Alors, ouais, bah attendez, je vais un peu me reposer là. Voilà. Je vais me mettre en retraite, comme on dit. Enfin, en retrait. Ouais, bon, je sais plus parler comme au Moyen-Âge.
portable, ouais, j'étais à fond sur les jeux, un peu moyen la jeu parce que moi je suis quelqu'un qui est très fan des jeux, même si c'est c'est un peu du n'importe quoi, les Seigneurs des Anneaux. Mais moi perso c'est une série, enfin, une série de films que j'ai bien aimé. Mais ça c'est pas vraiment le Seigneur des Anneaux, c'est plutôt un jeu qui parle un peu de quoi dire de trois aventuriers, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Sauf que ces trois aventuriers ne sont pas Aragorn et les deux autres, Legolas quoi il s'appelle Gimli. Alors je suis rouge là, voilà. Alors c'est trois aventuriers, voilà, c'est assez bien comme aventure parce que j'ai passé à peu près 6 jours, enfin 6 jours parce que j'étais quand même un grand geeker à l'époque. Ça fait déjà, non même pas, là je crois même 2 ans que, enfin je suis pas sûr, ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué que je me rappelle pas vraiment. C'était la dernière fois que j'y avais joué. Alors voilà. Après, parlons vite fait de ma chaîne, parce qu'en fait, je sais que j'ai pas continué à parler de ma chaîne, je me suis un peu éloigné du sujet. Alors, ma chaîne présente du FPS, donc du Call of Duty, Battlefield, j'en ai pas fait beaucoup. Et ma chaîne aussi présente pas mal d'autres choses comme du Blur. J'en ai fait à peu près 3 épisodes. Et j'avais fait aussi, là, je crois pas avoir fait d'épisode sur un autre jeu parce que je l'ai fait, ma chaîne est créée depuis que 2 mois. Et j'aurais dû faire d'autres épisodes d'autres choses, mais j'ai pas vraiment eu le temps de passer à d'autres jeux, voilà, à part celui-là. Alors, la Games Zone est assez bien parce que j'ai déjà vu que leur intro était pas mal. Vous la verrez sûrement dans la vidéo avant, quoi. Enfin, avant mon intro, pardon. Et j'espère que la vidéo va vous plaire, autant aux abonnés de la Games Zone et autant à ma chaîne, voilà. Alors, ben dites-moi dans les commentaires, dites-le aussi dans les commentaires de la Game Zone, j'irai voir sur les deux chaînes pour voir à peu près tous les avis qui peuvent s'être mis. Si vous me dites de continuer, je continuerai. Enfin, j'appellerai pas le premier épisode. Je dirais plutôt une présentation de la Game Zone. Enfin, pas vraiment. Enfin, je verrai le titre tout à l'heure que je vais aller. Voilà. Alors, si je me rappelle bien, ici, on va rencontrer pas mal d'ennemis. Mais sûrement là, on va bientôt s'arrêter dans à peu près 4 minutes. Parce que sinon, ça va faire un épisode drôlement long. Alors, si vous voulez voir la suite de l'épisode, venez sur ma chaîne. Je vous oblige pas. Si ça vous donne l'envie d'avoir des jeux assez polyvalents, écoutez, je fais aussi des vidéos le dimanche, le mardi et le jeudi. Par contre, là je vais tuer les mecs et si je me fais tuer, parce que je me rappelle que ici je me suis fait tuer drôlement de fois parce que c'est assez dur. Alors, dès que je tue les mecs et voilà, je vous dis à la prochaine pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2. Et pour la chaîne de Zoxy, on verra la prochaine fois que je viendrai. Je prendrai le temps de prendre, enfin, ça sera pas de Call of Duty, mais ça sera un jeu sûrement autre, par exemple du Blur. Si un jour j'y repasse, parce que voilà, il va avoir assez de gens qui vont y passer après moi. Là, c'est parce que je voulais vraiment faire une vidéo pour leur chaîne communautaire et surtout pour la mienne, pour avancer sur les abonnés et les vues et les j'aime. Parce que je vous dis, commencer une chaîne YouTube, on peut, tout le monde le peut. Enfin, pas tout le monde, parce qu'il faut avoir assez de
Sauf si vous vous connectez sur PC, mais il faut avoir quand même l'argent pour acheter les jeux. Voilà. Alors après, vous pouvez autant vous consacrer sur d'autres jeux. Enfin, moi, je vous dis, pour la chaîne de la chaîne communautaire de la Game Zone, faites polyvalent sur les jeux. N'allez pas sur les Call of Duty, sauf pour faire des tutos. Et encore, je crois que on l'a assez vu, perso. Moi, j'allais un peu. Sauf. Ouais, même si ça me plaît, quoi, d'y jouer. Mais trop, ça fait quand même assez long, quoi, à regarder. Voilà. Après, faites des playthroughs, parce que ça plaît à certains jeunes, ça dépend aussi ce que vous leur présentez. Et il faut pas toujours leur présenter la même chose. Non, 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 jamais, jamais leur présenter toujours la même chose, parce que ça lui, des fois, fait, ça dépend aussi, déjà. Mais moi, perso, ça m'a lui beaucoup de regarder toujours la même chose, voilà. Après, je vais dire aussi quelques petits... Moi, Zoxy, je lui dis félicitations quand même pour sa chaîne communautaire, parce que je voyais pas Zoxy faire une chaîne communautaire. Parce que il se débrouille. Enfin, remarque qu'il se débrouille pas mal avec sa chaîne, donc je me disais aussi qu'il pouvait y arriver tranquillement, mais bon. Ah mais je crois que je vais mourir si eux ils me rallument pas. Voilà. Alors désolé que j'ai failli mourir parce que j'ai pas l'habitude d'affronter autant de trucs. Pourtant, Call of Duty, j'ai tout affronté pratiquement. Les campeurs, les rushers. Voilà, mais ça c'est pas le même genre de bots, parce que surtout que c'est pas des joueurs que j'affronte, et c'est beaucoup plus dur à tuer qu'avec notre petite mitraillette à l'habitude. Alors on va les tuer un peu, ces putains de trucs. Ah mais c'est vraiment dur à tuer. C'est Je sais pas comment ils font pour être aussi résistant, mais... Ah! Je me fais violer. Je me fais violer de tous les côtés. Dégagez, dégagez. Dégagez, dégagez. Vas-y. Mets ton bouclier. Voilà. Ton bouclier. Voilà. Merci. Bon, ben, à la prochaine pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2 ou autre. Alors, déjà, on va tuer ces petits mecs. Fait ce dernier petit mec là. Allez, meurs. Et l'autre, je lui tire 400 balles. Bon, allez, à la prochaine, tout le monde. Et bonne chance, Zoxy et la Game Zone. Allez, au revoir.